sa petite copine crie des noms de gens connus mais fictifs quand ils font l'amour. Genre elle crie « Ah vas-y MacGyver, vas-y MacGyver, mets-moi tes petits outils !» Voilà, bon je prends l'exemple d'une femme qui a plus de 60 ans parce que MacGyver c'est vraiment une vieille ref. Hein. C'est dur quand t'as un mec de rivaliser avec Hulk, Iron Man, tu vois. Moi je pense que ça me fait perdre tous mes moyens. T'sais. Vas-y Iron Man, je suis pas Iron Man, je suis un homme comme un autre, tu vois. Et en fait chacun ses fantasmes, mais quand c'est tout le temps, c'est un vrai problème. Surtout quand ta femme te dit toujours, vas-y, tu veux pas qu'on allume la télé, s'il te plaît, vas-y, on met les Avengers quand on fait l'amour. Mais c'est pas, tu veux pas mettre un film porno? Non, je préfère les Avengers. Chris Evans, il est quand même très très beau. Ça, c'est flippant. Et donc, dans l'histoire qu'il y a eu là, c'est quand même que la meuf, elle a crié le nom de Ben 10, donc le dessin animé. Elle dit, Ten, donne-moi Ben 10. La meuf, c'est même pas un bon, c'est un dessin animé en fait. Et pourquoi pas? On n'est pas là pour juger. Mais du coup, c'est un ado, Ben 10, non? J'ai même pas capté. Malgré l'aveu maladroit de cette petite amie, l'homme sans nom s'est demandé si l'erreur de Ben 10 n'était pas qu'un gros mensonge, notamment. Elle dit: ah oui! Donc il y a le mec qui croit que, en fait. Ah non, mais c'est génial. L'idée, elle est folle. En fait. En fait, le mec pense que c'est un faux fantasme. Qu'en fait, elle a dit Ben, vas-y Ben, prends-moi, tout ça, machin. Mais en fait, elle parlait d'un autre Ben, des gars que le mec connaît. Et donc, elle, la première chose qu'elle s'est dit, c'est Ben 10. Putain, merde, j'ai dit Ben. Oh, Ben 10, Ben 10. Et en fait, ça me paraît plus logique, tu vois. Qu'en fait, elle a dit le nom de son ex-copain ou du mec avec qui elle baise en plus de son copain. Et là, c'est du génie. Franchement, bravo. Elle devrait faire de l'impro, la meuf. Mais Ben, il n'y aurait pas plus Benjamin Franklin. Non, ça marche pas. La meuf, elle est excitée par Benjamin Franklin. Non, tu vois, il faudrait peut-être trouver quelqu'un. Big Ben! Big Ben! Donc le mec a dit, je pense qu'elle ment et qu'il y a peut-être un certain Ben quelque part. Suis-je fou? Non, t'es pas fou, mon pote. On est avec toi. On est avec toi. Je pense que tu as complètement raison et qu'en fait, ta meuf te trompe avec un Ben. Voilà. Les femmes pourraient croire qu'elles rivalisent aussi avec Angelina Jolie, Scarlett Johansson, mais c'est faux. Parce que nous, les mecs, quand on fait l'amour, on pense plutôt à notre grand-mère qui est décédée ou à des gens morts pour pas éjaculer trop vite. Donc en fait, vous rivalisez pas du tout contre ces gens-là. Vous inquiétez pas. En plus, c'est horrible quand ta meuf, elle donne des noms de gens connus. T'as l'impression d'être dans un film où t'es le second rôle que tout le monde s'en fout. T'es là, mais t'es pas là, tu sais. En fait, le mec, mais attends, mais si, je me rappelle, je l'ai déjà vu dans plusieurs films où il joue un second rôle à chaque fois, mais il parle, il a l'air sympa, mais il parle pas. T'sais. Votre vie avec ta femme, c'est un film romantique où tu joues le rôle du mec relou du début du film et elle finit avec la star, tu sais. C'est dommage. Si t'as bien aimé cette vidéo, j'ai sorti un livre humoristique qui parodie tous les magazines un peu à la mode avec des fausses actus, des faux horoscopes. C'est un truc qui on se marre bien, voilà, tout simplement. C'est sur Amazon, ça vaut 10 euros. Et ça m'aide vachement, voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo.